édition du Mondial Pétanque de Millau avait débuté bien avant l'heure, bien avant que les trois coups ne soient frappés dans ce fabuleux parc de la Victoire et que les premières boules et les premiers bouchons n'y soient jetés. C'était l'heure où les tractopelles et les camions venaient déblayer la terre et les rouleaux compresseurs tracer les jeux et réaliser les terrains qui allaient servir de base à cette grande compétition. L'heure des préparatifs dans ce fabuleux et fameux parc de la Victoire que vous alliez être très nombreux à découvrir. Avec des préparatifs et le dernier toilettage pour ce parc de la Victoire qui a donc accueilli plus de 8000 joueurs cette année et près de 15000 spectateurs pour la plus grande fête du sport pétanque mondial. Il avait bouffé 50. Et comment dans la doublette, la tête à tête, il va y avoir 2 ou 5 joueurs, on va les faire tous jouer. Ils vont jouer dans les terrains, ils sont nous. Malheureusement marqué d'emblée par un drame atroce, Raoul allait nous quitter et entrer directement dans le panthéon des princes de la boule. Adieu ami, nous ne t'oublierons pas. Tes copains prendront immédiatement le relais pour tracer ces fameux jeux et ces emplacements, ces numéros qui font la beauté du sport pétanque et du mondial de Millau. Ils ont travaillé d'arrache-pied, tous ces bénévoles, pour réaliser ces fameuses implantations. Ici, sur la place de la Capelle, puisque cette année, nouveauté, il y avait également un spectacle au cœur de la ville et il a fallu dresser des tribunes et implanter les terrains au cœur même de la cité, au cœur de Millau. Sur cette place de la Capelle qui a drainé un très très nombreux public, les tribunes n'ont pu d'ailleurs installer confortablement tous les spectateurs qui souhaitaient assister à ce spectacle magnifique avec un plateau extraordinaire, international de surcroît, avec une équipe belge qui a réalisé un superbe mondial à Millau et puis tous les princes du sport pétanque français, qu'ils s'appellent Foyot, Passot, Quintet ou bien Philippe Suchot. Ils avaient tous fait le déplacement, tout comme les grands habitués de Millau que sont Roger Marigot ou bien Robert Leca, et comme les tenants du titre de la doublette, Fernand Rivière et Henri Lacroix. Les joueurs des Alpes-Maritimes ou encore Boum Boum, Pascal Milley, le Mâconnais, un habitué désormais de la terre millavoise comme les cousins Bauer de Toulouse et Montauban. Ou encore Zvonko Radnik, Denis Salvador, autant de pointures qui ont donné à ce spectacle disputé devant un public magnifique toute son intensité, avec une pluie de carreaux salués comme on l'imagine. Toutes les colonnes de plusieurs pages. Il y avait bien de quoi là tirer la langue, surtout quand on assiste à un choc entre Foyot et Quintet, une désormais classique du circuit international. 18 doublettes de niveau mondial pour cette ouverture fabuleuse place de la Capelle, avec également la participation de séries régionales et notamment des Aveyronnais présents dans cette belle compétition. Diaz Archimbaud notamment, venu représenter le département. Et ils y avaient, bien sûr, toute leur place. La présentation de toutes les stars mondiales de la discipline, accueillies sur ce fameux carré implanté, créé au cœur même de la cité, un défilé qui restera dans les annales du sport pétanque millavois. Le spectacle devait être de toute beauté, aussi bien l'après-midi, sous un soleil de plomb, soleil d'ailleurs qui, fort heureusement, dans un ciel bleu d'azur, devait nous accompagner pendant toutes ces 5 journées du Mondial 1996. Qui
allait donc d'emblée s'offrir des demi-finales de très haut niveau et une non moins superbe finale disputée en soirée avant un grand spectacle laser pyrotechnique et un superbe bal populaire gratuite. Oui, car nous aurons l'occasion d'en reparler pendant tout ce reportage. Millau, c'est la fête des boules, la fête de la pétanque, mais c'est la fête en général. Il y a du spectacle tout azimut dans le ciel et sur terre. Ça, c'est Millau. Et qui a été champion de France en 1993 en doublette. Il nous vient de Mâcon en Saône-et-Loire. Vous allez saluer comme il le mérite, Monsieur Svenko Redi. Double champion de France, tête à tête en 1993 et 1996. Vous allez saluer Monsieur Michel Briand. Il a été champion de France en 1992. Vous allez accueillir Monsieur Jean-Luc Robert. Et puis de tête. Donc de très haut niveau avec des habitués évidemment de la cité miavoise avec Jean-Luc Robert et Philippe Quintet, le triple champion du monde en verve, on le voit dès le début de ce tournoi exhibition, opposé à Michel Briand, le champion de France tête à tête qui a doublé cette année son titre de 1993, associé à Svenko Radnik, le joueur de Mâcon en Saône-et-Loire qui avait lui aussi été champion de France en doublette en 1993 avec Pascal Boum Boum Millet. Les inscriptions pour le tête-à-tête. Une finale qui devait se conclure dans l'enthousiasme que l'on devine par une série d'annulations du champion du monde en titre, Philippe Quintet, qui laissait cependant la victoire à ses adversaires, mais au terme d'une prestation sportive haut de gamme qui a fait vibrer le fameux et fabuleux et très nombreux public de la Capelle. Et on va le voir, il n'aura pas à regretter, Philippe Quintet, cette défaite en finale de l'exhibition, puisque la suite du mondial lui a été particulièrement souriante. Qu'on a encore pas tiré une boule et qu'on peut gagner en frappant double. Ben moi je voudrais remercier Philippe, il m'a dit fais-toi plaisir et puis merci à Philippe encore. Et ma foi, que la France gagne en premier et si par hasard je pouvais gagner, ce serait magnifique. Michel Briand, bon toi, Nick vainqueur de l'exhibition. Voici donc le terme de ce tournoi exhibition avec ensuite, un superbe spectacle, son et lumière laser, qui a enflammé le cœur de la Capelle, le cœur de la ville de Millau, pour le plus grand plaisir des milliers de personnes qui avaient fait le déplacement et qui ensuite ont pu prolonger cette nuit
avec un bal populaire qui leur était offert, comme tout le reste de cet après-midi, par Millau Pétanque Promotion. Retour au Parc de la Victoire pour la première des réceptions et au préalable les premières inscriptions reçues dès le matin pour ce fameux tête-à-tête qui est la spécificité aujourd'hui du Mondial Pétanque de Millau, puisqu'il est géant, il est le premier tête-à-tête au monde et les joueurs et joueuses ne s'y trompent pas. Ils s'inscrivent de bonne heure pour pouvoir participer. Dès le début d'après-midi, les trois coups sont lancés. Mais les premiers en piste, c'était bien sûr les gentlemen à l'image de Didier Auriol, le champion du monde des rallyes, le meilleur voix qui n'aurait manqué pour rien au monde ce rendez-vous, tout comme le député Privat et tous les partenaires économiques et financiers du mondial, les champions également comme Michel Briand, et puis les nombreux élus qui nous ont rendu visite, à l'image de Jacques Geoffrin, ministre-maire de Millau, ou encore de M. le sous-préfet qui nous a honoré de sa présence lors de cette ouverture le jeudi matin au Parc de la Victoire. Des équipes panachées et conviviales qui comportaient donc les plus grands champions comme Robert Leca, Philippe Quintet que l'on voit ici dans ses œuvres, Jean-Marc Budet qui a gagné le mondial de la Marseillaise il y a 2 ans, ou bien Joey Boulon, le Bordelais, avec également l'ineffable Michel Chanvert, l'organisateur du National de Pézenas, dont on connaît la compétence, tout autant dans l'organisation que boules en main. La Fédération française était également très bien représentée avec son secrétaire Claude Azéma, Michel Signer, Daniel Charolais, et puis Jean Campeau qui assurait la délégation fédérale lors de ce rendez-vous mondial mis à voir. Un gentleman particulièrement apprécié, surtout également de nos amis partenaires que nous devions recevoir quelques minutes plus tard dans la salle des fêtes du Parc de la Victoire. Un accueil convivial qui allait se poursuivre par l'intervention amicale et chaleureuse du secrétaire général de la Fédération française, ainsi que de Pierre Fournier, le représentant de Pierre Desgouttes, le président de la Fédération française du sport boule, la discipline sœur. Et puis, premier moment d'émotion de ce mondial, lorsque Jacques Geoffrin, maire de Millau et ministre de la Coopération, remettait sous les acclamations la médaille d'honneur de la jeunesse et des sports au manager général de Millau Pétanque Promotion, particulièrement ému et sensible, Damien Masse. C'était donc là le premier coup de tonnerre joyeux de ce 15e mondial de Millau avec des allées de la victoire déjà remplies d'un public fervent et assidu, connaisseur. On vient à Millau en famille pour s'y régaler et faire la fête tout au long de ces 5 jours absolument magnifiques, festifs et super bon. Merci. Des carreaux pleuvent sur les allées, tout azimut, et chacun s'y donne à cœur joie. Amis connus, champions et inconnus. Jean-Pierre, pourrons-nous donner quelques... qui vous permettra d'aller voir la politique. Oui, c'est bien là la magie de Millau, c'est de côtoyer dans les allées les plus grands joueurs du sport pétanque mondial, parfois d'entrer dans le carré d'honneur pour y faire ses classes, côté des meilleurs, bien d'aller jeter un coup d'œil à la table de marque assez graphique, remarquablement managée, il faut le dire, par Jean-Pierre Garça, par Claude Bonneval, Bernard Rouquayrol et leurs collaborateurs qui ont effectué durant 5 jours un travail superbe pour permettre à toutes ces compétitions d'aller
à leur terme 5 compétitions mondiales, tandis que Thierry Vermorel et Marc Nourigat alimentaient près de 16 concours complémentaires, avec au total plus de 8000 participants à cette 15e édition du Mondial de Millau. Le tête-à-tête qui s'était déroulé pendant toute la nuit allait reprendre en diurne avec les quarts de finale. Où le premier à se qualifier était le jeune niçois Daniel Rizzo, qui battait assez facilement Frédéric Anglade, le Villeurbanais, imité par un autre joueur des Alpes-Maritimes, Michel Brock, face à Hervé Micha, tandis que Thierry Bluette, le joueur de Saône-et-Loire, allait s'incliner face à Tony Daniel sur un tir, vous allez le voir, assez malheureux. Mais la loi du sport pétanque en est ainsi. Voici la fin des opérations pour Bluette. Tandis que le quatrième homme au rendez-vous des demi-finales de ce tête-à-tête, eh bien, c'était Fernand Maragou, le Décazevillois, vainqueur du Marseillais, Bruno Castellan. Une belle victoire pour l'Aveyronnais, tandis qu'ici nous voyons à l'œuvre les hommes de l'art, Christian Desmaz et Jean-Michel Ozoir, les chroniqueurs de Midi Libre qui a couvert toute la manifestation avant et pendant. Présente également au sifflet final le bilan d'un superbe mondial, le 15e. Faire équipe l'année prochaine en triplette avec Patrick Gras. Tandis que Maragou donc s'est incliné lui en demi-finale face à Michel Brock, Fernand qui vient de faire son premier trou, voici le second. Fin de parcours pour l'Aveyronnais, superbe demi-finaliste. Qu'est-ce qu'on pense quand on est en demi-finale de ce mondial de Millau presque chez soi? Ben, c'est joli, c'est bien d'être supporté par le public, par les Aveyronnais, ça fait voir que la pétaille que les Aveyrons. Je ne suis pas la meilleure Aveyronnais, mais encore avant, ça veut dire qu'on a gagné le niveau. Dans la seconde demi-finale, eh bien, c'était le choc entre Tony Daniel, le champion de France 1990, et Daniel Rizzo, champion de France junior en 1994, qui allait s'incliner après cet appoint malheureux, expédiant dans un geste un peu désespéré ce bouchon de malheur dans les tribunes. Finale donc pour ce mondial tête-à-tête pour rejoindre Robert Leca et Philippe Quintet dans la légende du mondial tête-à-tête. Une finale qui va opposer Michel Brock à Tony Daniel. Tony Daniel qui va flancher dans cette ultime explication. Même si Brock va contrer là et ne marquer qu'un point dans cette main, il conclura 2 mains plus tard, Michel Brock, le joueur du Cap d'Ail, dans les Alpes-Maritimes. S'adjugeant une consécration méritée, lui qui a déjà été 2 fois champion de France FSGT, et bien là, il entre de plein pied dans la légende du mondial de Millau, avec ce carreau dans le bouchon absolument magnifique dont Tony Daniel ne se remettra pas, puisque le dernier appoint du joueur du Charlie Pétanque Club de Gennevilliers en région parisienne restera court, c'est la consécration pour Michel Brock. La victoire de la sortie mérite à Michel Brock, s'il vous plaît. Et le rejoint dans l'histoire du mondial, Robert Leca et Philippe Quintet. Si. Est-ce que vous avez franchi ces 2 jours une étape très importante de votre carrière?
Oui, ça va. Ça me fait plaisir pour mon père et pour mon frère. On a, voilà. On leur dédie cette victoire ? Bien sûr. Un carré inédit pour une finale particulière, une finale inattendue mais spectaculaire, un grand vainqueur et l'occasion pour les spectateurs qui avaient beaucoup vibré d'aller arroser cette victoire et ce succès à la terrasse des cafés voisins et notamment du café du parc. L'occasion aussi d'accueillir et de remarquer pour la première fois nos amis japonais dont nous aurons sûrement l'occasion de reparler. Ils viennent de loin, de plus de 15 000 km pour participer depuis plusieurs années déjà à ce mondial de Millau. Et il y a avec eux de nombreuses nations étrangères donnant au mondial tout son label international. Un label international qui s'est plus que jamais confirmé cette année puisque Michel Van Kampenhout et Claudie Webel, nos amis de Belgique, sont entrés à 3 reprises dans le carré d'honneur de l'exhibition, de la triplette et de la doublette. Un exploit remarquable. Pendant que l'on s'expliquait dans les allées, entre dames bien sûr, entre équipes mixtes et entre messieurs, à chacun son style, à chacun son efficacité et à chacun son plaisir. Tandis qu'on pouvait également, au détour des allées, entre spectateurs et stars, faire quelques rencontres parfois un peu surprenantes. Est-ce que l'homme est un animal social qui se transforme au contact de l'environnement ou au contraire il y a un déterminisme? Qu'est-ce que ça base ça? En essence. Moi je crois qu'il y a un déterminisme. Moi aussi je crois. C'est comme au boulot ça. C'est toujours les mêmes qui sont dans le carré d'honneur à la fin et c'est toujours les mêmes qui sont à la buvette. Tu comprends ça? Il y a un déterminisme. Est-ce que tu as déjà vu un ramasse de sang? C'est facile. Tu peux essayer? Vas-y. Tu dis c'est facile, on va te voir. Alors, il faut y aller plus tôt. Voilà. Bravo. Puis, autre label de ce mondial, il faut bien le mentionner car c'est... C'est une spécificité typiquement miavoise, ce feu d'artifice offert chaque soir avec notre partenaire. Tandis qu'à la remise des prix du mondial tête à tête, eh bien Bruno Barré qui représentait les établissements géants. J'ai envie, comme il nous le confiait, comme il le confiait à Tony Daniel et Michel Brock, nous a accompagnés et salué les champions. Quelle belle fête, quelle belle soirée, quelle belle nuitée et quel hommage rendu à celui sans qui le mondial de pétanque de Millau n'aurait jamais existé, notre ami Damien Mas. Transmise par le comité départemental de l'Aveyron, que j'ai le plaisir, l'honneur de te remettre la médaille d'or de la Fédération française de pétanque et jeux provençal. Avec toutes vos félicitations. Difficile d'ajouter quelque chose. Après, je crois que cette médaille, je ne peux pas voulu la recevoir ailleurs qu'ici, premièrement. Et puis deuxièmement, je voudrais remercier toutes ces personnes. Et je voudrais ajouter à mes remerciements tous ceux qui, depuis 15 ans, m'ont aidé à faire cette manifestation. Pour différentes raisons, ils ne sont pas là.
mais qui, je pense, à tous, du premier au dernier. Qui remettent à Madame Mas et Damien le cadeau de Millau du Tank Promotion. La fête terminée, le parc s'illuminait à nouveau et les joueurs reprenaient place sur les terrains pour disputer, à l'image d'un étonnant mais toujours spectaculaire et efficace Michel Passot, la suite de la compétition. C'était l'heure du mondial triplette. Un autre marathon qui s'était enchaîné au Bugna-Bugne, où l'on retrouvait en quart de finale dans un nouveau choc à sensation Philippe Quintet et Marco Foyo. Quintet, Morillon et Robert qui défendaient leur couronne au mondial triplette et qui n'ont pas laissé passer l'occasion d'entrer à nouveau dans le carré d'honneur. Tandis qu'on retrouve également dans le carré d'honneur Michael Elzéar, Thierry Bluette et Sébastien Biébert, un joueur de l'Allier, le second de Saône-et-Loire et le troisième du Maine-et-Loire. Cette équipe absolument inédite qui a fait un parcours remarquable dans ce mondial triplette pour entrer donc en demi-finale. Tandis que Rossini, père et fils, et Brock, le vainqueur du tête-à-tête, ont chuté en quart de finale. Les Belges, Webel et Van Kampenhout, mettant un terme au parcours superbe des méridionaux, associés cette fois à Hervé Concilieux, avec qui ils se sont déjà imposés à Millau. Et puis une autre mention pour Yannick Domenech, Michael Corré et Christian Gomez, l'équipe de Bédarieux, qui s'est glissée elle aussi en quart de finale. Une jeune et talentueuse formation venue des hauts cantons de l'Hérault et sous les yeux et le regard de leur présidente qui fait partie du comité d'organisation de Millau Pétanque Promotion. Véro Fopolo était aux anges et le public a chaleureusement apprécié tous ces jeunes. Tandis que chez les dames, on s'expliquait en demi-finale avec Carole Bertrand et Nathalie Rochette, les jeunes femmes de la pétanque atomique de Bagnols-sur-Cèze, qui trouvaient sur leur chemin des nouvelles venues à Millau, Martine Gauthier et Nathalie Delmas, les jeunes joueuses du Val-de-Marne, de Saint-Maur et de Charenton. Cette équipe d'Île-de-France qui allait prendre son billet pour la finale du mondial féminin. Tandis que dans la seconde demi-finale, nous retrouvions une équipe qui avait déjà joué la finale l'année dernière, celle des filles de Cournon d'Auvergne, avec Florence Schopp et Angélique Colombet, qui trouvaient sur leur chemin la talentueuse mâconnaise Dominique Ribac. Schopp et Colombet qui rêvaient de cette consécration dans le parc bien nommé de la Victoire, tandis que Ribac, associé à l'histoirienne Sylviane Ramos du Puy-de-Dôme, manquait un peu de réussite dans cette demi-finale et elles allaient abandonner donc le second visa de la finale féminine à Schopp et Colombet. Aux côtés du spectacle sportif sur les cadres, il y a le spectacle festif et nos amis grilleurs, avec la toque s'il vous plaît, comme le 3 étoiles, ont servi les affamés. Et ils étaient nombreux
dans ce parc. Ah oui, ça chauffait derrière les fourneaux, tandis que ça chauffait également dans le carré d'honneur de la victoire, où l'on disputait les demi-finales du mondial triplette, avec un omniprésent Thierry Bluette qui ne s'en laissait pas compter. Pas plus que Bieber ou Elzéar d'ailleurs, ils ont joué leur chance à fond. Mais Quintet était bel et bien le plus fort, le triple champion du monde, veut devenir le roi de Millau. C'est son ambition. Et là, Sébastien Bieber a tiré les dernières cartouches, avec au bout du compte la victoire pour Quintet, Morillon et Robert. Franche, nette, sans bavure, sur le score de 13 à 3. Tandis que le second choc des demi-finales, qui a ravi plusieurs milliers de spectateurs, opposait Jean-Yves Loulon au Belge de Claudie Webel, avec un étonnant et surtout très productif Javier Cardenas Villaverde, l'Espagnol de Séville, qui a charmé le public de la victoire par ses impressionnantes moyennes de tir, dont ne se sont pas remis Claudie Webel, Michel Van Campenhout et Hervé Conseilieu, qui allait également s'incliner sur la même marque très large. Webel et ses petits qu'on comprend. Voici la dernière mesure pour Jean-Yves Loulon, qui va s'imposer comme Quintet dans l'autre demi-finale sur le score de 13 à 3. Et la fête pétanquiste était partout. À quelques centaines de mètres du carré d'honneur, des milliers de joueurs se pressaient pour disputer ces fameux concours complémentaires qui ont fait la beauté, le succès et la réussite du Mondial de Millau. Le tout maîtrisé par une équipe dynamique sous la direction de Thierry Vermorel et Marc Noriga, aidés par de précieux collaborateurs et collaboratrices de Millau Pétanque Promotion. Non, quand ils jouent là-bas, ils sont bons. Ils sont bons. Ici, ils sont supérieurs. Les joueurs ici peut-être sont supérieurs de nous autres. Ah, pourquoi vous dites ça? C'est ça. On est les meilleurs. Il y a une manifestation comme ça, vous vous déplacez? Ah oui, oui. Ici, si vous trouvez que c'est comment par rapport à bien, ouais. Bien, c'est, disons, très très bien organisé. Voilà ce qu'on voit. Il y a un troisième complémentaire à partir dans un moment. Dans les allées, bien sûr, toujours autant de monde pour y saluer les champions qui ont déserté le carré d'honneur pour venir disputer là les premières joutes de la doublette avec Philippe Quintet et Jean-Luc Robert qui courent après ce titre qu'ils n'ont encore jamais pu conquérir. C'est la première fois que je viens à Millau, mais je reconnais que c'est autre chose. J'ai eu des beaux concours, hein, des beaux, tu n'as pas bien vu. C'est la Marseillaise, mais c'est pas pareil. Un grand concours comme le Gros du Roi, comme on dit, ou quand tu fais Termini, ou quand tu fais Rumini, c'est pas pareil. Et qu'est-ce qu'il y a de plus ici? Qu'est-ce que le truc qu'il y a de plus? Je sais pas, c'est le cadre qui est un peu magique. Une grande allée, on dirait Versailles, presque. L'ambiance, Saint-Paul, Jean-Saint-Paul. Parce que les grands concours comme ça, tu as souvent une grande place. Pardon, les jeux tracés, alignés, usine, ça va marre de tous les côtés, ça fait un raccourci. Il y a des gens qui contournent avec les barrières, tandis que là, le cadre est bon. Allez. Non, ça va. On va essayer si vous allez. Bravo, bravo.
Une nouvelle fois, le parc de la Victoire, arène pétanquiste, géante et idéale, aura donc fait l'unanimité sur sa beauté. Tandis que le Carré d'honneur accueillait une fois de plus une de ses finales mondiales qui ont ravi les très nombreux spectateurs, avec une finale féminine inédite, mais qui nous a régalé, où l'on retrouvait Martine Gauthier et Nathalie Delmas, les filles du Val-de-Marne, opposées au duo de Cournon d'Auvergne, de Florence Schopp et Angélique Colombé, qui rêvait donc de victoire après la finale perdue l'année dernière. Tandis que chez les messieurs, il était à l'honneur le Sévillan Javier Cardenas Villaverde avec Jean-Yves Loulon et Olivier Costesec, les Girondins, opposé au tenant du titre Laurent Morillon, Jean-Luc Robert et Monsieur Philippe Quintet, le triple champion du monde. Une explication arbitrée par Yvon Laurent et Robert Vérune, les arbitres internationaux et nationaux qui encadraient le corps arbitral lors de ce chapitre mis à voix. Avec une finale de la triplette mondiale qui a tenu toutes ses promesses, et Javier Cardenas Villaverde est toujours aussi spectaculaire et efficace, le Sévillan qui en fera souffrir plus d'un. Mais Philippe Quintet est également passé par là, et même s'il y mettra un peu de temps, avec 14 mains à la clé, eh bien, le tenant du titre doublera la mise dans ce mondial triplette. Tandis que chez les filles, Florence Schopp et Angélique Colombé sentent qu'elles tiennent là le bon bout face à Martine Gauthier et Nathalie Delmas, même si l'équipe du Val-de-Marne n'a jamais démérité. Il est difficile de faire son entrée dans la finale du mondial féminin de Millau, une sensation que connaissaient déjà les filles du Puy-de-Dôme. Et Florence et Angélique, cette fois, n'ont pas loupé la dernière marche. Elles sont arrivées à bon port. Avec une Angélique Colombé toujours aussi efficace, tandis que les arbitres ouvrent l'œil et le bon. Angélique Colombé et Florence Schopp qui sont là à quelques encablures de la victoire. La dernière ratée de Nathalie Delmas, qui enverra les filles de Cournon d'Auvergne au paradis après que cet appoint de Martine Gauthier soit passé légèrement à côté de son objectif, la consécration donc pour cette bien belle équipe du Puy-de-Dôme dans le mondial féminin. Après 11 mètres de jeu, mesdemoiselles, félicitations et les mêmes félicitations. Tandis que dans la finale triplette, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean-Yves Loulon, Olivier Castesec et Javier Cardenas Villaverde se sont défendus becs et ongles. Mais Quintet, Morillon et Robert rêvaient trop de se doubler. Ils en ont même fait des étincelles. Après l'opiniâtreté d'Olivier Costesec, eh bien, l'équipe
petit rondeau espagnol a fini par plier dans cette ultime passage de l'explication au sommet. Ils peuvent être fiers et heureux, Jean-Luc Robert, Laurent Morillon et Philippe Quintet. Les voilà à nouveau inscrits sur les tablettes dorées du Mondial Aveyronnais. Meilleure patrice du Mondial féminin de Millau 1996, les filles de Condon d'Auvergne. Monsieur Thomas, c'est vous. Voici le point final à ce Mondial triplette. Applaudissements, s'il vous plaît. Avec un public toujours aussi enthousiaste lors de ces remises de récompenses, qui se régalait et puis qui se régalait également de ces feux d'artifice absolument superbes qui ont embrasé trois soirs durant le parc de la Victoire, donnant à ce spectacle entièrement gratuit un cachet supplémentaire. Tout le monde a trouvé là son bonheur, son plaisir, a pu côtoyer les stars à son gré avant de suivre la finale de la doublette avec des inédits et des habitués, Michel Van Campenhout et Claudie Webel, les Belges, Henri Lacroix et Fernand Rivière, les tenants du titre, Philippe Quintet et Jean-Luc Robert, jamais consacrés en doublette à Millau, et puis Dorian Belloni et Guillaume Equet, qui allait parfaitement bien démarrer face à Philippe Quintet et Jean-Luc Robert par ce superbe carreau de Guillaume Equet. Mais c'était malheureusement le champ du cygne déjà, car l'équipe de l'Allier et de la Corrèze n'allait marquer que 2 points face à Quintet, tandis que Webel et ses deux trous allaient en quelques instants abandonner la victoire dans la seconde demi-finale à Henri Lacroix, qui tenait là la boule de gagne. Comme vous allez pouvoir le constater, rejoignant pour la deuxième année consécutive la finale du Mondial Doublette avec Fernand Rivière, il est content et comme on le comprend, Henri Lacroix. Bravo Lacroix ! Bravo ! Il a réussi ! Et la marche sur la page du maître, il va se tenter et on trouve la finale de la doublette, finale qu'ils n'ont jamais gagnée. Le public qui n'a pas bougé pratiquement pendant 5 jours, on le retrouvait toujours au même endroit dans ce fabuleux carré d'honneur ou sur les allées du Parc de la Victoire. Un public chaleureux qui a acquis bien des souvenirs millavois à cette boutique pétanque. L'occasion également de saluer tout ce corps arbitral autour des Laurent, Vérune, Ponce, tous les arbitres départementaux, tous les arbitres régionaux, plusieurs dames venues officier à ce Mondial Millau et les hôtesses du Mondial Pétanque, ainsi que notre ami Marc Alexandre qui a présenté remarquablement cette 15e édition, lui donnant un cachet supplémentaire. Avec la dernière pièce donc de ce mondial qui est lancé entre Fernand Rivière et Jean-Luc Robert. Et là également, les choses n'ont pas traîné. Cette fois, Quintet et Robert étaient si près du but. Ils ne voulaient en aucun cas manquer ce rendez-vous en doublette qui les fuyait depuis longtemps. Là, ils n'ont laissé aucune chance à Fernand Rivière et Henri Lacroix, qui se sont proprement fait fusiller en 5 mains sur le score de
13-1. Rivière qui baisse la tête, il sait qu'il ne pourra pas se sortir des griffes de Quintet et Robert. Voici une quatrième point dans cette avec la point gagnant pour Quintet et Robert Rivière. Qui mène 10-1. Le voilà, ce dernier point de la main droite de Jean-Luc Robert qui conduit Philippe Quintet et Jean-Luc Robert au Panthéon du Mondial de Millau avec 5 victoires pour Philippe Quintet qui devient le recordman des victoires dans le Mondial Aveyronnais. 8000 joueurs à cette édition 1996. 8000 joueurs, quelques 1300 joueurs en tête à tête, quelques 550 triplettes, plus de 700 doublettes, 128 doublettes féminines, 14 nations représentées à Millau, dont la délégation japonaise qui est repartie au pays avec quelques souvenirs du cru aveyronnais, tandis que Philippe Quintet et Jean-Pierre Masse se sont vus félicités pour leur récente paternité. Un clin d'œil également amical à Sophie et Nathalie. J'imagine que tu dois être certainement un garçon très heureux ce soir parce que tu as écrit une nouvelle page de l'histoire du sport pétanque mondial en gagnant ce 5e national du Millau. Et tu es certainement le seul à avoir tout gagné à Millau, presque partout en France et au monde. Qu'est-ce qu'on éprouve à ce moment-là quand on gagne ce quasiment un des seuls morceaux qui manque au palmarès? Mais bien sûr, on éprouve beaucoup de joie. Le grand plaisir, c'est de se faire plaisir devant tous ces spectateurs qui nous reçoivent magnifiquement, surtout dans cette région de Millau, car les gens sont chaleureux. Et on prend beaucoup de plaisir avec mon collègue Jean-Luc et je rentre aussi avec Laurent Morillon. On prend beaucoup de plaisir à jouer ici et à se faire plaisir. Et la preuve, les résultats sont là. Et puis je remercie toute l'organisation qui nous reçoit tous les ans merveilleusement. De grands moments sportifs, de grands moments d'émotion, de grands moments de chaleur, une sacrée ambiance. Les titres de la presse ont d'ailleurs été dithyrambiques. De quoi en perdre la boule? Le plus grand bec à bec de la planète. À vous fendre le cœur, un tête-à-tête géant. Millau pétanque au cœur. 1302 joueurs, record pulvérisé lors du mondial tête-à-tête. Millau caracole en tête. Quintet et Loulon swing la Twingo. Millau toujours plus haut. La journée de tous les bouchons. 552 triplettes et un record de plus. Et puis, celui qui pour nous a sûrement tout résumé, Millau, le mondial de la démesure. Le rideau est tombé sur la 15e édition. Rendez-vous pour la 16e. Elle aura lieu place de la Capelle sûrement, parc de la Victoire certainement, les 14, 15, 16, 17 et 18 août 1997. Cela se terminera, c'est inhabituel, retenez-le bien, un lundi soir, le lundi 18 août. Mais nous vous attendons tous nombreux, nombreuses, amis sportifs, amis champions, amis pétanqueurs. Rendez-vous dès le 14 août prochain 1997. À Millau pour une 16e édition que nous vous promettons aussi belle et aussi réussie. Amis, à bientôt.